Salut! Ça va, bande d'infos? Les gars, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo très spéciale. Alors, nous avons acheté le décor, les gars. Le décor, le prochain décor. Parce que là, comme vous pouvez le constater, c'est assez vide, c'est assez pleutre. Il y a même des cartons qui restent tombés. Enfin, c'est dégueulasse, hein, on peut le dire. Du coup, nous avons fait des petits achats pour combler un petit peu tout ça et rendre un petit peu de beauté à ce doux décor. J'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez des petites idées d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais il y a une idée qui est énormément likée et c'est une bonne idée réalisable, alors j'achèterai cette idée et je la mettrai dans le décor. Voilà, bien évidemment, les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification et à mettre un maximum de pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. Bonne vidéo à tous, bande d'infos. Hep, hep, hep. D'ailleurs, ça arrive très bientôt, messieurs dames. Très bientôt, je vous jure. Sûrement ce week-end. Allez, bonne vidéo, bande d'infos. Ah, dernière chose, je sais, je suis vraiment très casse-couille et je suis un gros forceur, mais si jamais cette vidéo obtient 15 000 pouces bleus en 24 heures, c'est fort probable que l'on fasse un live où on achète des aliments extrêmement dégueulasses et ensuite on fera une vidéo dégustation avec Marion. Voilà, c'est tout, c'était le petit défi que j'avais envie de donner à cette vidéo. Bonne vidéo, bande d'infos. Coucou. Comment ça va? Ok, alors cet après-midi, on va poutrasse le décor. Parce que là, ça va pas. Bon, est-ce que vous êtes prêts à me faire dépenser mon oseille? Non, en vrai, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps, mon rêve, ça a toujours été d'avoir un setup, mais genre un décor de porc. Tu vois, un peu style Inox Tag, mec. Inox Tag, je surkiffe son décor. Genre, je veux avoir un décor où je me sens bien. Et genre, j'ai jamais fait ça. Genre, l'ancien décor, vous voyez, c'était que des mousses. Ah, au départ, c'était chez mes parents, donc j'allais pas se refaire chez mes parents. Ensuite, j'avais déménagé dans un tout petit local. Mais le local, mec, c'était mon salon. Donc, j'allais pas mettre des trucs dans mon salon, tu vois. Enfin, voilà. Du coup, là, je suis enfin installé, donc on va faire un truc de plante. D'abord, on va commencer par la plante. Plante. Vous savez, les plantes, on n'a pas besoin de s'en occuper. Après, s'il faut que je m'en occupe... Ouais, ça peut être stylé. Ça, c'est un bon délire. Hein. On en met une ou deux. Celle-là, moi, je la trouve stylax. Hein. Genre, en gros, tu vois, à la place du... à la place de l'arbre. Là, il y aura une plante, en gros. Celle-là, elle est stylée, non? Celle-là, 160, c'est pas mal. Hein. Ou celle-là. Celle-là, elle est stylée de ouf. Hein. 150 cm, 104... Wow, gros, c'est le bambou sacré, ça. 70 euros. Celle-là, elle est stylée, hein. En gros, la cam, elle va être... comme ça. Donc s'il y a ça, en vrai, ça passe bien. 180 cm en plus. Du coup, tu vois, ça monte jusqu'en haut. Un aquarium. Aquarium, j'y avais pensé, mec. Un aquarium, j'y avais pensé. Genre mettre un putain, je trouve ça trop apaisant. Mais en vrai, un aquarium, c'est vrai que ça peut être putain de stylé. Hein. C'est du boulot. Ouais, c'est ça, c'est du boulot. Mais après, je suis en train de me dire dans ma tête, on est en 2020. Genre, tu sais, si on investit, je pense qu'il y a moyen. T'as des pompes, l'eau, t'as besoin de la changer. En gros, ça se change tout seul. Après, t'as peut-être juste à les nourrir, tu vois, je pense. Oh, putain. Il est bien celui-là. Ouais, on valide la plante. La plante, on valide ou quoi? Bubule. Ouais, grave, non. En vrai, aquarium, ça pue un peu du cul, hein, les gars. On a déjà essayé un aquarium, hein. Vous vous souvenez comment ça s'est fini? Celui-là, c'est validé ou quoi? La plante, on la valide ou quoi? Je pense de toutes celles qu'on a vues, c'est la mieux. Celle-là, elle est pas mal aussi, mais je pense qu'elle est pas assez épaisse. Mais celle-là, je la trouve un peu plus mastoc, je pense. Bon, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est clean. Allez, celle-là, on la met. Ajoutée au panier. Ok, c'est bon, ça c'est mis. Donc la plante, on l'a. On va dire le côté droit, il est fait. Là, à la limite, on pourra pourquoi pas. Au pire, ouais, je mettrai le cadre, je pense. Le trophée YouTube, pardon. Et du coup, il faut remplir toute cette partie-là. Tout ça là, faut tout remplir. Du coup, on fait quoi? En sachant que du coup, le sol... je prendrai le tapis et je le décalerai de façon à ce que ça fasse tout blanc, vous voyez. Poster de Zidane. Tu sais qu'en plus, il y a moyen qu'il y ait des très très beaux cadres. Vraiment, il y a moyen qu'il y ait des très... oh, regardez. Oh, avec le truc de Dieu. Ah ouais, et à chaque début de live, on prie. À chaque début de live, les gars, on se met devant le cadre et on prie. Zizou! Ouais, mais tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont tous trop beaux, même ça, regarde. Là, ça, tu mets ça derrière, là, ça va trop bien. Là, mon pote, qui sait qu'il prend pas peur. Tu vois, tu le poses là, là, le regard à Zidane, qui nous regarde Games. Je rigole pas, les gars. En vrai, vous voyez, je vous disais, il me faut un décor qui me mette de bonne humeur. La vie de ma mère, si j'ouvre ma porte et tous les jours, clac, petit regard avec Zizou, gros, je peux que ne passer une bonne journée. Celui-là, il est exceptionnel, gros. Celui-là, il te donne envie de tout niquer. Tu le sens, le regard, là? Ça, je crois que c'était France-Brésil, hein. Ça, c'était le regard du, les gars, cherchez pas. Code Swen, je vais vous fumer. Beau jeu. Ça, attends, c'est ça que vous disiez. Comment vous avez trouvé le truc ce matin? Là. Taille réelle. Vous imaginez, je vous mets pas, je tombe avec une grosse verge. Ah ouais, ouais bah les gars. En vrai, ça a mis le soutien dans la boutique, moi je l'achète, hein, y'a pas de problème. Hein. Telle-là même si vous voulez. Hein. Par contre, après pour la monter, je sais pas comment on va faire. Hein. Ça, c'est la même galère que, je sais pas, ceux qui ont vu Valouze, son siège, ma soeur là. Ça, c'est un petit peu la même galère. Tu vois, c'est le kiff que tout le monde veut avoir. Mais en fait, une fois que tu l'as, t'es en mode ouais, bah ouais, je le mets où du coup? Mais mon pote, ça doit être une qualité par contre. Putain, tu vois, ça c'est le genre de truc putain. Enfin, je kifferais, mais vas-y, gros, c'est de l'argent dépensé dedans. Et je lance un défi? Je lance un défi de code créateur ou quoi? C'est réaliste. Non, mais là, gros, c'est plus que réaliste. Hein. Je pense que quand tu le touches, genre, t'as vraiment l'impression de toucher Tom Holland. Hein. Moi, je me demande si à ce prix-là, t'as pas les pouvoirs qui vont avec. Genre, je pense qu'il t'envoie les pouvoirs. Hein. À 100 000 codes créateurs, j'en achète une. En vrai, je rigole pas. Hein. Ah, par contre, va falloir faire le bon choix. Hein, parce que là, mon pote.
Si t'en prends une et puis après tu te dis, ouah putain, en fait elle est mieux celle-là. Ah bah t'es dans la sauce, hein. Oh, Groot, oh lolo. Ça, je crois que j'ai déjà vu des vidéos YouTube de mecs qui déballent des trucs comme ça. Et je crois que c'est vraiment réaliste de chez réaliste de ouf. Un mec qui déballait le Kylo Ren, il était complètement dingue. Ah bah c'est celle-là, je crois. Tiens, c'est celle-là. Oh, bah le mec, dites-vous que c'était une OP. Hein. Genre, c'est le site qui lui a envoyé. Attendez. Je me redresse, les gars, je suis youtubeur. Comment il s'appelle le site? Salut, la Life Size. J'adore votre travail, qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Oh là là, celle-là, j'adore, elle est vraiment belle, hein. Dis donc, jamais voulu que je fasse un peu opening, ça s'appelle, hein, c'est un date. Les partenariats, j'en ai jamais fait. Bon, sauf pour l'ordi que Théo, il m'avait limite forcé, mais c'était drôle. Mais alors, pour ça, gros, y a pas de problème, je suis prêt à vendre mon image, hein. Prenez ma visibilité, hein. 15 000, ouais, par contre, 15 000, hein. Faut être fan des Mandaloriens, là, hein. Oh, putain, et quitte à mettre 15 000 euros, gros, je les mets dans Anakin Skywalker, quoi, mais faut être fan, hein. Indisponible, c'est que ça a marché, hein. Ouais, j'espère qu'Esprit Elf fait la cuisine, hein. Eh bah dis donc, eh ben faut être fan, hein. Et puis faut travailler beaucoup, hein. Bon, peut-être qu'un jour les gars on se fera un kiff. Mais là je vais pas vous mytho, hein. La Suenito Corp elle a investi dans une belle imprimante. Alors d'abord on va faire des t-shirts et après on verra pour les figurines, hein. Vas-y, anecdote. Vas-y, vous allez vous foutre de ma gueule, c'est pas grave. Je squattais Facebook. Donc chose qui arrive plus. Je sais même pas ce que je vous ai shooté sur Facebook. Et tout d'un coup, tiens. Je vois une Devialet, frère, à 65$. Il y avait écrit Black Friday, moins 90%. Je me dis, tiens, dis donc. En plus je m'en souviens, c'était à l'époque où YouTube ça commençait à bien marcher. Du coup je me dis tiens, putain, ce mois-ci on a quand même gagné 500$ avec YouTube. Ah, c'est un petit kiff, hein, parce qu'on a dit Yalette, tiens. Attends, je sais pas si elle est là. En gros, c'était présenté comme ça, gros, sur le site. Bon, ça, t'y voyais pas, là, la petite... déjà, tu vois, j'aurais vu ça, j'aurais compris, hein, tu vois. Ouais. Et en gros, c'était présenté comme ça, tu sais. Stylé, hein, t'es là en mode, wow, yes, putain, ça pète. Bah frère, en fait, non, c'est de la merde, gros, c'est... En gros, le son, il sort par là. Il y a juste ça, et genre, ça sert à rien. Et après, c'est du Bluetooth, mon son. En vrai, ça va, en vrai, ouais. En vrai, si je devais acheter ça, tu vois, ça coûte, allez, 15 balles, quoi. Ça vaut pas 65$. 10 balles, même. 10 balles, grand max. Et encore, il y a personne qui sait comment on peut dire... Vous savez, des trucs Marvel qui... Vous avez l'impression, ça sort du mur. Comment on pourrait appeler ça? Ok, alors, attendez, parce que du coup, j'ai vu un chat intéressant. Putain, t'es un génie. Voilà, c'est ça, c'est ces trucs là. Je crois qu'il y a Hulk et Iron Man et tout aussi. Voilà, Thor, Iron Man. Je vais mettre ça dans les chiottes. Frère Marion, elle va se lever, elle va tomber nez à nez avec Hulk. En vrai, j'aime trop. Putain, je suis vraiment un enfant, ça craint par contre. Ça, plus jamais j'en prends. Ça, c'est de la douille. Hein. J'en ai pris un pour deux snipers, c'était éclaté au sol. Mais c'est ça le délire. Si on part sur des délires Marvel, gros, je vais jamais m'arrêter. Je vais vouloir tout prendre. Va falloir faire un choix et c'est là où ça va être le plus compliqué. En vrai, ça peut être grave stylé. Hein. Ou alors, on les prend toutes et genre, on les change de temps en temps. Vous savez, le truc qui tourne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout nouveau. C'est genre, ça tourne tellement vite que genre, ça vous fait un hologramme. C'est ça! Attends, on peut mettre ce qu'on veut. Oh, 150 balles la tête de ma mère, si on peut mettre ce qu'on veut, je le mets. Hein. Et on en prend, hein. Ça peut être trop beau, ça. Ça peut être magnifique. Et si genre on peut mettre ce qu'on veut, des fois on se met la tête à Zizou. Ça peut être trop beau. Location. Ah genre c'est une loc en plus. Ah bah putain. Bon bah les gars, va falloir mettre des sommes, hein, pour qu'on puisse se payer notre décor, hein, parce qu'on va le louer tous les jours en fait, nous. On en a besoin tous les jours. Alors au mois, ça va nous revenir à un sacré prix quand même, hein. On part sur du 12 000 au mois. Alors pour Noël, je préfère me faire plaisir et vous offrir à vous 450€ de je sais pas quoi, tu vois, de carte PSN. Pas une manette de PS5, je sais pas, tu vois, mais pour une journée de pour voir une biche qui court, gros. Ah bah je n'ai rien sur YouTube, hein, je préfère vous faire kiffer, vous. Bon bah ça, moi je pense que c'est une bonne idée, hein. En plus ça s'allume et tout, ça a l'air d'être stylé en vrai. Livré jeudi 10 décembre. En plus ça c'est rapide. C'est tout le 10 décembre. Je crois que ça va partir sur ça. Hein. Alors ça, on écrit quoi? Code Swen ou juste Swen? Moi je pense juste Swen, non. Parce que si on met code Swen, moi je trouve que ça force quand même pas mal sur le code Swen. Gros mec, le code Swen, frère, il va être partout sur la boutique. Il est déjà partout sur mon Instagram. Il est déjà partout. Enfin tu vois ce que je veux dire, il est déjà partout en vrai le code Swen. Genre il est en dessous de ma cam, frère, il passe tout. Donc en vrai je pense juste Swen, non. Ah ouais, attends. En fait, c'est à chaque fois que tu mets des lettres. Oh ma merde! Ok, alors tutululu, tu coûtes 418€. Tous ceux qui ont déjà leurs idées, en gros, attendez, je vais partir de là et je vais défiler. Tous ceux qui ont un coup de cœur, vous écrivez, vous envoyez pas maintenant le message. Une fois que je vous dirai go, tout le monde envoie son coup de cœur en même temps. Los Angeles? Ouais, Los Angeles, j'avais crush aussi sur lui. Cancun aussi, j'aime bien. Sydney, j'aime moins bien. C'est plus petit. Tu vois, genre là, on a les centimètres. En vrai, faudrait au moins un 50 cm. Donc déjà, Los Angeles, c'est mort. Los Angeles, c'est mort. Il faut au minimum un 50 cm. Sinon, ça se verra jamais. Donc pour le moment, Cancun, c'est pas mal. Ouais, Amsterdam j'aime bien et j'ai l'impression que c'est comme Cancun mais en plus éclairé. Donc Amsterdam pour le moment. Amsterdam on valide. On peut comme ça vous savez. Ah oui, on peut changer la taille. On peut changer. Donc qu'est-ce qu'on prend? Ça reste sur du Amsterdam ou quoi? Moi j'aime bien aussi Havana et Los Angeles. Regarde, on fait les néons. Non mais je regarde depuis tout à l'heure, mais moi je trouve que celui-là c'est mieux. Hein. Le Amsterdam. C'est vrai? Ouais, il est trop beau. Moi j'aime bien Amsterdam aussi. Hein. Salut. Tiens, ouais, ils sont tous Amsterdam. Bah ouais, moi je kiffe. En vrai, ça pète, non? Donc tu sais, ça va être à l'envers, en gros, non? Avec l'effet miroir. Commentaire. Au pire, on leur laisse un commentaire en mode on leur dit s'il faut qu'ils le montrent, tu vois. Alors, bonjour. De vous laisser un commentaire.
Je suis jeune. Écrivez même pas dans le chat. Blackwater, tu vas prendre ton ban, toi. Pensez même pas à mettre le truc que vous avez envie de le mettre, là. Je vous vois, je vous sens. Je vous vois venir. Donc, mais genre, écrivez-le même pas. Donc, jeune YouTubeur, j'aurais aimé savoir s'il était possible que vous montiez le Swen de façon à la voir en effet miroir. Je sais pas s'ils vont comprendre quand, en disant juste ça, tu penses. À cause du retour de la caméra. Tu penses, c'est bien expliqué, là? Ok, ajoutez au panier. Ouais, ça, non, parce qu'il y a le côté miroir, du coup. Mais ça, pourquoi pas? Ouais, au pire, on prend un logo PlayStation comme ça, hein. Faudrait prendre une petite étagère, tu vois. On met le Swen en LED. Là, je mets une petite étagère. Et on met des pop-up dedans. Non, mais ça, déjà, je pense, en vrai, ça, on va le virer. 230€ pour des trucs de PlayStation, on va pas déconner, quand même. Ça, on va le prendre. Là, on a les deux plantes. Ça peut être stylé, ça, au pire. Ça, je serais chaud d'en acheter une, mais faudrait en prendre une très grosse. Genre, faudrait un bon 1 mètre... Ça peut être pas mal, hein. Pas une lampe à lave, mais ça reste pas mal. Genre, vous savez, on met ça derrière la lampe, derrière la plante, pardon. Ça peut être pas mal. Ouais, ça, je pense, on va en prendre deux. Moi, j'ajoute tout au panier, et les paniers, je checkerai après, hein. Je ferai ça en live, les gars. Donc là, en gros, on a deux lampes, on a deux belles plantes. Je me tâte, et si ça... Oui, dans les plantes, on a aussi ça. Et si ça, au final, on le mettrait pas carrément dans le... Parce qu'au final, ça comblerait quasiment tout, en fait. Là, il y aura une LED, la plante, le Swen en LED, le trophée YouTube, et de ce côté là, enfin gros tout là derrière, on mettra le gros cadre du cerf avec une autre plante ici et le néon. En vrai, je pense qu'on a un beau décor pour qu'il aura plus de place. Bah si, justement, il aura son arbre à chat dans le salon, donc il sera encore plus heureux. Moi, je pense que ça me va là. On reste plutôt simple et je pense qu'on va avoir un beau petit côté chill, tu vois. Il y aura deux trucs et après, avec le salon PS5, en plus de ça, on comblera parce qu'il y aura un autre côté du coup. Bon, bisous les gars!